Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour Daylight épisode 35. Déjà, ça avance très très vite, je voulais vous faire profiter cette petite vue en 4K 60fps, évidemment. Régalez-vous, et je suis accompagné de Monsieur Funeral. Bah finalement, t'es revenu. Appelez-moi Batman. Non, ça c'est Indiana Jones. J'arrive pas à revenir. Attendez. Ton perso il est bugué. Y'a rien qui va. C'est, bon. C'est ridicule. Ton perso il est débugué. En fait la corde en dessous de toi est vibrée à des vitesses mais improbables. Et c'était tellement drôle et ridicule. Putain c'est tellement bon. Allez, on est parti pour la suite de nos aventures. Il est temps d'appuyer sur carré pour activer tout cela. On va utiliser la grue. On doit toujours monter plus haut. Comme on dit, toujours allez, plus haut. Toujours plus oh, loin. Oh putain, mais j'aurais dû rester accroché. Oh, ça aurait pu être drôle. Ça aurait... Ah ouais, mais attends, il fallait pas qu'on... Est-ce que le grappin... Non mais attends, est-ce que le grappin gâche notre barre de... Endurance. Eh tiens, il faut check en vrai. Hein. Oui, oh là là, mais putain, et ça... Eh mais en fait, il y a tout qui te bouffe l'endurance, hein. C'est terrible. Je viens de voir ce que tu disais sur le... T'as vu le bas de... Oui. Bon, c'est ridicule, mais c'est drôle. Toi, la musique, elle s'énerve. Bon, parce que je pense que c'est une phase où on doit speeder, tu vois. Ok. Est-ce qu'on a une tête pressée? Non. Oh putain. Oh, je me dois. J'ai cru que... Putain. J'ai cru que c'était un petit fond d'eau, tu vois. Mais moi aussi, je pensais que c'était un petit truc de nénuphar. Ok, ça je vois, est-ce qu'il faut aller... Oui, toi aussi. Toi aussi, tu te doutes bien. Je me doute bien, oui. Bon, qu'est-ce qui nous attend là-haut? Parce que on a... En fait, on est vers la fin du jeu, hein. Parce qu'on a gagné le truc où si on libère les antennes, on voit toutes les petits, tous les petits trucs annexes et tout. Tu vois ou pas? Ouais. Donc c'est littéralement, on est vers la fin du jeu, là. Hein. On est vraiment au 80%. Mais surtout, ça va être beaucoup plus fun de faire des petites quêtes dans la ville quand quelqu'un... Bah pour moi le jeu commence à 80% du jeu et ça c'est dommage. Par contre, mon cher Fufu, c'est ce que je disais avant le record, et t'as eu une bonne idée. Les amis, tant qu'il n'y a pas Outlast, je pense qu'on fera des petites quêtes annexes, etc. On continuera notre petite aventure parce que c'est toujours voilà. Sympa. Et ça fait toujours plaisir. Attends. Ah, Fufu. Quoi? Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Oui. Êtes-vous? Bah je... Ne fais pas comme moi, c'est pas fait pour. Attends, mais t'es allé là? Oui, je suis passé à travers tout, mais c'est pas fait pour. Ok... Ça fait vite, là. Non, y a quelque chose ou pas d'intéressant? Pour le moment, non, mais y a une salle UV. Rien à péter. Et surtout, regarde. Faut faire ton Spider-Man. De quoi? Quand tu t'es fait chier à sauter du truc en truc? Ouais. Bah t'avais juste à aller là en fait. Oh putain. Oh y'a des gros zombies vénères. Non. Oh si. Type jaquette? Ouais. Genre les vampires dans Blade 2. Oh là, oh là là, oh là là, quoi? Ah non, attends. J'ai fait exploser un bordel. Oh putain. Oh c'est du pain béni. Oh on a juste allé là hein. Non. Si on les fait exploser... T'as vu en dessous de nous? Si on les fait exploser on a là les trucs gratuits mec. Et quand c'est... Ah bah tiens teste une grenade. Alors. Oh bah. Putain tu lâches avec. Non, il se relève, non, ces grenades elles sont en mousse, ouais. Ok. Y'a rien derrière? Fufu, t'es où? En dessous. Profite des gros et tu leur jettes. Il faut que tu profites des gros et que tu leur jettes un couteau pour qu'ils explosent tout le monde. You ouais, know what je vois ce que tu veux dire. I know what you mean. Et t'as vu le gros là ici? Bonjour. Il y a un très très gros mec. Putain, il y a un rampant. Couché en haut. Okay. Je l'ai brûlé, t'es où pour me faire venir? Derrière toi. Il y a un très très gros grenade.
grenade encore, ça s'arrête plus, hein. On s'en bat les couilles, c'est le festival de Cannes pour le rush. Hein. C'est le 14 juillet, hein. Ouais, ouais, on en a rien à péter, hein. Ok. Ils continuent de marcher, est-ce que c'est normal, ça? Oui. Oh, wow, t'as vu la masse qu'il a? Elle est collée à son bras, frère. Ah ouais, c'est Trindamer, le bordel. Ah! Oh, t'as pris ta part. Ah, j'ai pris ce que je mérite. Visez les pustules! Là, dans ce temps. Oh, mais putain, mais c'est pas technique, ça! Non, les pustules, ça fonctionne pas, je crois. Non, je sais pas, je me suis dit que c'était un point faible. Non, 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 y'a pas de système de localisation de dégâts. Enfin, y'a un démembrement localisé, mais y'a pas de localisation de dégâts. Si tu tires sur la pustule, ça fait rien. Bah, de toute façon, tu peux pas tirer, y'a pas d'arme. Je m'en occupe. Je l'ai achevé, Fufu. Nous allons avoir un trophée unique. Here we are! Trophée unique. Et ben voilà, fouille-toi. Hein. Oh! Quoi? Ça va? Bah, t'as entendu ce bruit flippant? C'est rien, ça. Oublie pas que ceux qui ont explosé, ils ont lâché une petite. Quoi? Mais tu l'entends pas, le zombie qui hurle? Bah, si, mais il est pas là. Si. Bah, j'en sais justement, mais moi, j'ai l'impression qu'il est à mon oreille. Oh non, on peut pas le récupérer. On est d'accord, il y a un truc que tu peux pas récupérer là, c'est bugué. Là. Où ça? Okay, récupère-toi. Hop, prends. Eh, ça sent la fin du jeu, Fufu, en vrai, hein. J'ai peur. Non, je pense pas que ça ce soit la vraie fin du jeu. Oh, as-tu un truc acheté sur un gros zombie? Oui, mais alors l'utiliser. Attends, je l'active. Ah non. Je l'ai activé. Mais je pensais que quand il explosait, il courait pas après. Mais il court quand même après. Ah oui, bah je pense jusqu'au bout, il y va. Soigne-toi, hein, soigne-toi, hein, Fufu. Hein. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu que j'étais in the south. Eh, vraie question. Oui. On peut grappiner les gros de loin? C'est la question que je me suis posée. C'est vrai? Oui. Bah, on va essayer. Oh là, y'a tellement de. Y'a ça là. Hop là, let's go. T'as pris quoi? Une bonbonne de gaz. On peut essayer parce que là, j'ai un balèze. Hop, attention. Attends, attends, attends. Reculez. Quoi? Non, mais pourquoi t'as fait ça, Fufu? C'est pour tuer lui à la base. Mais. On s'en fout. Attends. Tu m'as fusillé. J'étais full vie, mec. J'ai pas fait exprès. Mais. Tu m'as pas vu? Bah. Si, mais j'ai jeté le truc avant que tu lui cours dessus. Mais et alors? Bah, le problème, c'est que j'avais déjà amorcé le truc. Oh putain. Bon, bah, s'accrochage pour la peine, tu le fais. Allez hop. Allez au charbon. J'y arrive. Parce que tu m'as fusillé la gueule là. D'ailleurs, c'est dommage, il n'y a pas de marchand pour profiter dans l'immédiat de tout ce qu'on a loot, tu vois. Oui, on aurait pas pu. Bah, on peut pas ouvrir. Ah, faut faire crochetage. Non, fallait que j'active la porte qui me. Prends les gros soins militaires, hein. On en a eu beaucoup en vrai, on en a 15 normalement. Ah, moi j'ai que ça d'équipé, sinon mes soins ils puent. Hein. Toi tu pues. Oui, bah j'ai pris ma douche. Hein. Oui, bah, tu pues quand même. Attendez. C'est la survie, ça fait combien d'années qu'on est là? Si longtemps. Est-ce qu'on a pris une douche? On a sorti dans la piscine au début de l'épisode. Allez, je fabrique des crochets, on en aura 150. Ah! Quoi? Non. De quoi Fufu? T'as plus sur une touche, j'en fais exprès! Non, Fufu, putain, mais ça fait deux fois! Mais tu fais chier! J'ai pas fait exprès! Tu commences à casser les couilles là! J'ai appuyé sur carré, je pensais que c'était pour poser! Putain! Merde! T'as entendu le bruit que ça a fait? Mais non, j'étais dans le menu! Au moment où je retire le menu, je me fais démonter! T'es nul, hein, c'est pas possible, hein! Tiens, pour la peine, je vais fouiller un endroit que t'as même pas fouillé, allez hop, ça dégage! Mais si, là, y'a une note! Tu t'en sors, Aiden? Je m'accroche, je saute, je grimpe, j'avance. Ça en vaut la peine. On est rien sans système de communication. Putain, je voulais poser la bonbonne plutôt que de l'acheter là. Et ça oui, fait. Mes couilles. Non, je te jure que c'est vrai. Et ça fait. Ok. Bah écoute, viens. Je sais par où c'est par là. Alors. Par où? Par là. Alors.
Ah. C'est bon. Là, il y a une musique un peu pour te chauffer, tu sais, pour tout faire en speedrun, être à fond et tout, tu vois. Ouais, tu sais, elle s'étouffe dès que tu rentres en intérieur et tout. Ok. Non, mais j'avais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que j'avais un molotov d'équipé et pas le grappin, et donc ce connard il garde le molotov alors mais... qu'il y a le logo du grappin. Ah oui, t'as le logo du grappin? Mais oui! Mito. Et donc moi j'ai sauté comme un connard, et au moment où je me dis bah let's go, il a fait quoi? Bah il a fait molotov. Ah, on a le logo du grappin même qu'on n'a pas le grappin. Ah, ça par contre c'est moche. Attends, c'est t'as pas descendu pas ça? C'est quoi? Une échelle. Pourquoi? Vous savez bien que c'est un problème. Pour les gens qui ont pas de level. Non, c'est bon. Tout ça c'est ta faute. Quoi? Vas-y. Fais ta mission suicide. Il est fou lui. Mais l'embarque pas là-dedans. Je ah la demander. One. Je vais la dissuader par radio. Oublie. Elle l'a coupé. J'ai dû trop ouvrir ma gueule et... Merde. Coup de bol, j'ai averti Matt. Les pacificateurs la laisseront pas rentrer. Écoute, je suis presque en haut de toute façon. Même si elle arrive jusqu'ici, ce sera déjà terminé. Tu sens la mort de la One ? T'es... Ouais. T'es où ? Au sommet de l'immeuble ? Sale petit enfoiré. Je croyais pas que t'y arriverais. Mais putain de merde, tu vas le faire ! Ah pourquoi je sais pas faire ? Parce que moi, oubliez pas que Fufu, les gars, il me jette des bonbonnes de gaz sous les deux secondes. Oh ça va, ça n'est arrivé que deux fois ! Oui, bah deux fois en moins d'une minute, gros. Pas comme mais si en plus bon. La première fois je t'ai dit arrête, c'est chiant. Il a continué. Bon, oh, c'est bon, il y aura plus de bonbonnes de gaz. Et là, il te sort une bonbonne de gaz dans ses ouvres. Oh non, tu m'as poussé, je te promets. Oh putain. Mais non, c'est pas possible. Si, 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 si. Non, si, quand on fait une interaction, on se pousse, frérot, vraiment. Ah ouais bah, mais oui, tu l'as déjà testé par toi-même quand on était à deux pendus sur un truc. On se poussait indirectement, tu vois. Ah. C'est parce qu'on active une animation, donc je pense qu'à mon avis, la hitbox doit être opérationnelle vite fait pendant quelques secondes, enfin une milliseconde, et voilà quoi. Imagine les mecs qui font le jeu à 4, gros. Oh, mais ils doivent se mettre des coups de cul. Et imagine des mecs claqués comme toi qui font des bonbonnes de gaz. Oh, ils doivent s'abuser. Je sais quoi, juste. comment on fait là? Bah tiens, là, regarde. Imagine. Oh, tu vois le truc où on a galéré, où on avait essayé le. Le grand truc où on avait galéré, il y avait ça sur le côté, on essayait même de sauter dessus. Oui. L'espoir. Bah voilà, c'était pour le grappin. Ouais, ouais. Alors. J'étais un peu du genre romantique quand j'étais jeune. Qu'est-ce que alors, alors. Mais on a réussi des trucs sans le grappin, en vrai c'est phénoménal dans cette aventure, frérot. Attends, attends, attends. Heure. Localise, hein. Localise, hein. Attends, non, on localise quand on sera tout en haut. Mais je pense qu'on sera trop haut, Fufu. On aura une vue 360 degrés. Voilà, on a déjà une belle vue. Hein. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as vu ma fluidité de mouvement? Mais je te vois te téléporter, c'est non, regarde ma fluidité. T'es vraiment pas fait pour un co-op. Je suis mort. Oh là, un corbeau. Y'a la musique épique, Fufu, on s'arrête pas là. On s'arrête pas, Fufu, let's go! On se casse pas la gueule ici! Non, nous on est une team premier, on y arrive premier coup. Allez, let's go! First time! Oh, moi je pense qu'il faut profiter de la vue maintenant, hein. Mais mec, on sera encore plus haut! Je suis pas sûr, hein. Ah, merde, c'est par là? Ah. Ouais, en gros, ils ont tout lâché pour le running maintenant, hein. Ah, ok, j'ai vu ce qu'il faut faire. T'as vu ou pas? Non. Attends. Conteneur d'inhibiteur? Attends. Ah, je crois que c'est le point d'interrogation là-haut, frérot. Ok, tu sais pas ce qu'il faut faire? Suis-moi, je m'en occupe. Tu me suis? Ouais, voilà. Je te suis. Voilà. Ensuite, on monte. Tu suis toujours? Je suis toujours. Quelle chance d'avoir des grues. Il est là le bordel. Attends. Il y a une maison en haut.
Ah, tu sais ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut monter là-haut et après on utilise le parapente pour rentrer dans le trou. Tu crois? Bah, je sais pas. En tout cas, ça m'a l'air d'être la méthode la plus simple. Ah non, on peut encore monter. Ok. Bon, ça va, c'est stylé cette phase, cette petite phase. Oui. Y'a pas de zombies, c'est que du pur parcours. Aiden, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'avais un plan. Un plan d'enfer. On pourrait vraiment activer cet émetteur. Ouais? Comment? L'armée contrôlait cette tour. J'ai un émetteur capable de pirater leur signal et de prendre la main. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est activer l'antenne du secteur. Bah, tout le monde qui veut que je travaille tout le monde, là. Ok. Y a les raccourcis. Attends, l'antenne... Attends, c'était en bas, le bordel, on est d'accord, hein? Non, là, faut monter, là. Non, l'inhibiteur en bas. Ah, il est là. Il est dans le bâtiment qui est en face, là. On peut pas y aller, alors. Si, je pense qu'on sera tout en haut de l'antenne, on pourra atterrir sur le toit de lui et après on pourra rentrer dans le trou. Tu veux toujours pas qu'on localise les trucs aux jumelles là? Ah bah si, là on est bien là, là on est assez haut. Bah je vois pas comment ça, on peut faire plus haut. Hein. Ah, y'a encore une échelle! Le mec est trop gourmand. Je sais pas si on peut localiser d'ici. Ouais, je pense qu'on est trop haut en hauteur en vrai. Je crois, Fufu, notre technique se retourne contre nous. Mais là, il me propose plus rien là. Si, moi il me propose, mais je pense que c'est pas trop réalisable. C'est quoi ce poids? Mais je suis con, c'est l'antenne. Eh, je suis vrai. Les jumelles, je montais, je dis, oh, ça s'arrête pas, il reste un bâtiment. comment on va plus haut que ça? Ok. Ça donne de me casser la binette, hein. Je crois qu'on en... Effectivement, on peut... Ah si, c'est bon, je capte un truc. Oh. J'ai découvert une tour radio boucle nord. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Boucle nord. Ouais, c'est ça, avec des tours radio à récupérer. Moi, là. J'innove. Le Microsoft. On est bon? Ouais, bah je me demande comment on fait pour aller... Là-haut? Ouais. Je l'ai. Tu vois les trucs jaunes? Oui. Tu es sûr que tu vas essayer de sauter d'ici pour aller les chauffer? Bah, somme toute logique. Vas-y. Non. Et là? Ok. Bon. J'ai une idée. Je crois. Mais non, mais qu'on est con. Oui, voilà. C'est exactement ce que j'allais faire. Il y a la planque. Il y a un escalier. Conteneur. Ouais. L'inhibiteur est juste en dessous. Hein. On peut le faire, hein, je pense, là, tout de suite. Hein. On va vite faire. Oui. Zone sécurisée par la même occasion. Tiens, là. Regarde. Regarde, Fufu. Ah, là, tu regarde. Le conteneur. Bah, je pense qu'il est ici là. Attends, je te laisse activer la sauvegarde. Parfait. Oh, attends, c'est quoi ces caisses là-dedans là? Où ça? Bah, là-dedans, y'a plein de trucs. Comment on ouvre? Bah... Ok, là. Ah ouais, j'avoue. Let's go. Oh là, on va se régaler là, ça veut dire. Oh, crochet intermédiaire. Ok, hop. Kit de soins militaire, ça c'est un classique, on connaît. Oh, barbare, une épée historique. Conan le barbare. J'ai pris. Ok, vas-y, je crochette. Il nous envoie tout pour la fin du game. Hein. Oh non, putain, quelle angoisse. Très bien. Ok. Ah non, c'est même pas là l'inhibiteur. Non, il est là où j'étais. Une cassette ici, mon ref.
Ouais, j'ai ramassé. C'est bon, là, c'est ouvert. T'as pris l'épée de fou, là? Moi, c'est une hachette. Une barre UV légendaire, mec. Une barre UV légendaire. Ça doit être incroyable. C'est une hachette? Ouais. Mec, moi, c'est un sabre médiéval, hein. Tu kifferais, hein. T'as regardé, c'est là. Je vais le changer. Oh là là. T'as regardé là, là. Fufu, t'es où? Là, regarde. Attends, Fufu. Oui. Tu vois ou pas? Non, je la vois pas. Bah c'est normal, on a un point de save. Et là? Là je vois. Oh, elle est magnifique. T'as vu? Elle est trop stylée. Un truc un peu barbare, un peu putain, c'est là. T'es où? T'as réussi? Ouais. Je me suis cassé la gueule par contre. Attends, mais comment t'as fait? Bah tu te laisses glisser en... Pufu, je suis mort. Je me laisse mourir. Vas-y. Oh non! La réapparition forcée n'est pas disponible pendant cette activité, Fufu. Ça veut dire que je dois attendre que tu meurs? Non, t'es obligé de me sauver. Non, tu vas mourir là. Non, je ne peux pas mourir. Non, tu me vois mourir, t'as une barre? Bah ouais, je te vois même pas de sur la map. Non, non, je suis en bas et t'es obligé de me sauver. Ok. Ah putain! Ok, j'attends. Mais comment t'as fait pour monter, toi? Bah, je me suis laissé tomber. Bah, j'ai fait pareil, mais moi, je suis vraiment tombé. Mais moi, je vois pas comment je pourrais te sauver, puisque là, t'es vraiment dans le pire endroit. Là, je peux pas te réanimer. Je peux pas te réanimer. Oh non, non. M'annonce pas des nouvelles comme ça, gros. En fait, je glisse. Oh c'est... non, ils ont pas prévu ça, putain. Pour charger la game. Bah ouais, tu glisses, et moi, je glisse pas, parce que je suis mort. Bon, bah, je me suicide. J'ai toujours voulu voir ce que ça faisait de sauter d'aussi haut. Ça fera rien. Attends. Oh, ça génère du truc, hein. Ah, c'est bon. Ok, réapparaître. J'ai peur de où on va réapparaître, hein. Je fais au dernier point de sauvegarde de l'histoire. C'est bon, hey, on est là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais un plan. Voilà. En bas de l'antenne. Un plan d'enfer. Et t'avais réussi on à trouver le bordel. Alors cet ouais, c'est l'inhibiteur, ouais. Il est là. Et tu l'avais pris. Comment? Oui. Bon bah, je vais devoir y arriver, hein. Mais il y avait un coffre aussi, avec un code. De pirater leur signal et de prendre la main. Ah, c'est toujours intéressant. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est activer l'antenne du secteur. Ok, on est où, Fufu, là? Mais attends, j'ai une idée, Fufu. Ah ouais, au pire, on y va en parachute. Ouais. Oh, nickel! Nickel! Let's go! Toi, tu l'avais déjà pris, hein? Oui. Ok, et t'as le coffre? Et il est là, mais je sais pas où est le code. Bah, frérot, regarde juste ici, là. Il y a une note. Alors? Ah, c'est écrit quoi? Bah, tu vas me le dire. Alors, code d'un coffre. Vas-y. Journal. Cher journal. Non. Je m'appelle Monsieur Funéral. C'est dans inventaire, non? Je peux pas avoir le pantalon de jogging. Objet ramassable. Code d'un coffre. Alors. Ah putain! Nice! C'est. Si, c'est ça. Si tu es 5. Si, alors, si tu es 5-5-5, alors moi je suis. Ouais, bah voilà. Si, voilà, petite ref à Slipknot. Ouais, et je pense que Leon et Chris, c'était aussi une ref en vrai. Hein. Oui. Une petite ref à Slipknot, voilà, si vous tombez sur ce truc, si tu es 5-5-5. Je suis 6-6-6. Et toi, t'avais peur que ça soit pas traduit, tu vois? Ouais, j'ai peur que ça soit pas traduit, apparemment. Bon, en fait, j'ai vu des mecs qui ont dit qu'il y avait beaucoup de coffres qui étaient pas traduits. Peut-être qu'ils ont sorti... Après, ils ont sorti des patchs, hein, donc... Oh? Oh? Oh oui! Mais c'est quoi? C'est un canard vilain. Mais... Et ça fait quoi? Bah, si on les regroupe, les 5, on fait un... ça fait un pentagramme et on débloque une arme à la Doom, un peu. Mais non! Mais un truc exceptionnel ou pas? Mais toi, tu sais tout sur le jeu, t'as déjà tout regardé, frère. C'est trop, t'es un abuseur, toi. Ouais, tu sais de quoi je parle, hein. J'ai regardé s'il y a des armes à feu dans le jeu. Non, arrête de te foutre de la gueule du monde. Putain, il s'arrêtera jamais.
place. Attends, est-ce qu'on peut pas grimper là? Oh non. Oh, une petite cascade, ça c'est pour bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas ici. Mais comment on monte là-haut? De quoi? Bah, de cette tour de merde. Mais comme d'hab, frérot. Et il en a oublié notre quête, Boubours. Ah oui, mais on savait pas comment monter. Et l'arme, elle est vraiment stylée ou pas? Et elle est cassable aussi? Non, je crois qu'elle est infinie. Ouais. Mais je suis pas sûr de ce que je raconte. C'est bien, c'est en face. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ensuite... Je sais pas, en fait. Ah si, c'est là, non? Ah tiens, est-ce que tu veux pas t'accrocher à... Ouais, super, et tu vas gagner quoi? Ah, tu peux pas aller plus haut? Non. Ah. Et tu veux faire quoi, là, comme ça? Ah bah c'est bien, t'es stylé. Bah Fufu, tu fais quoi là? Tu regardes au loin ou... Écoutez, je me sens pas très à l'aise. Bon, je vais tenter un move. Ok. Si ça marche, call me daddy. Alors. Oui, bah ça marchait, en fait, fallait faire ça depuis des mois, on est vraiment trop bête. Oh non, Fufu, je suis... Tu peux me sauver, s'il te plaît? Comme ça, tu me montreras comment t'as fait. Alors, attends. En attente de réanimation, la réapparition forcée n'est pas disponible pendant votre activité. Veuillez attendre qu'un copilote... Oh, tu t'es aplati. Alors... Bon, bah, on va devoir se soigner avec ces conneries. Oui, putain. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il fallait faire, en vrai? Bah, fallait faire un saut angulé pour choper le truc de derrière. Un saut angulé? Exactement. Ah oui, un saut et tu bouges le joystick d'un voilà, coup. Voilà, et tu fais un angle improbable dans les airs. And you make an improbably angle in the et air. Ben, bah là, on monte encore, là, alors. Ah oui, là, faut monter tout en haut. Bah, c'est ce que j'avais essayé de faire, tu te souviens? Et t'avais pas réussi? Non. Bah attends, ça dépend, tu parles là de quel angle. Ah. 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 Et ensuite... Tac. Voilà, est-ce que je peux activer? Non, faut que tous les joueurs soient présents. Eh bon, je suis là. Hop, laisse-moi activer. Oui, je vous laisse activer, l'honneur vous revient. Tu ne serviras à rien, tu apparaîtras tout en bas de toute façon. J'ai trouvé l'émetteur. Et maintenant? Bien. Bien. T'as juste à utiliser l'interrupteur. D'accord, le joueur s'est levé d'un coup. Non, 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 c'est qu'on est en train de se transformer ou un truc comme ça, non? Super. Je sais pas. Écoute, je me disais, Radio Nouvel Espoir, c'est encore possible. Mais c'est à toi de voir. Juan obtient ce qu'il veut, et il me donne ce dont j'ai besoin. Comment trouver Mia? La vérité sur elle. Parfois, il arrive que nos choix nous dépassent. Parfois, ce qu'on fait, ça veut dire quelque chose. Je vais pas essayer de te convaincre. T'as allumé l'émetteur. C'est toi qui choisis. Fufu? Oh non, ils font chier. Fufu? Oui? Je te laisse choisir. Si nous avons la pire fin, ce sera de ta faute. Mais je me dis d'un côté, Juan, il nous a pissé dessus. Et l'autre, il a soi-disant des infos sur un médecin du GRE. Si on lui met à l'envers... C'est maintenant, ouais. Vite Franck. Le pacificateur. Franck. T'écoutais quoi comme... Bah non, c'est lui, Franck. Je te dis honnêtement, j'aurais pris Juan. Musique sur ta radio. À titre perso. Je te le dis honnêtement. Ce sera juste... Et qui, Juan, c'est le baiser? Bah oui. Ah mais putain, mais il fallait prendre lui. Mais qu'est-ce que t'es con, putain. Bon, c'est pas grave. Vraiment, merci. T'as pas idée de ce que ça représente. Peu importe le genre, tout ce que tu veux. Aiden, y'a un truc qui va pas. On reçoit pas le signal de l'émetteur. Ces gens ont plus besoin que toi de cette antenne. Quoi? Aiden? Qu'est-ce que t'as fait? Tu le sauras bientôt.
Espérons juste que Frank a toujours la main. Frank ? T'es en train de me dire que t'as refilé l'antenne à cet alcoolo ? J'arrive pas à y croire. Je te promets que je la reprendrai. Bonne chance si tu comptes grimper là-haut. Aiden, et moi qui croyais qu'on devenait potes. Non, vous avez même pas désolé, choisir, Jack. J'ai choisi mon camp. J'aurais pris Juan. Au moins, on se farcira la meuf, hein. Et voilà, il y a la musique pépouze et on est tout en bas. Hello, Fildor. Frank est de retour. Et j'ai des nouvelles encore plus excitantes pour vous. Des couvertures, de la nourriture et de l'eau potable sont collectées à la cantine. Toutes les personnes dans le besoin peuvent se présenter à Nicolas. Restez à l'écoute et je reviendrai bientôt avec un autre message d'espoir. En attendant, genre tout le monde a ressorti sa radio. Ouais. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. Ah, il est bien ce choix. Les petites musiques et tout. On fait dans le social. Oh, comment t'es monté là-haut? Ah non, c'est vrai qu'on est en bas. Aussi. Bon. Ne recommence plus jamais ça. Hey, ça sort d'où, ça? Tu m'en dois une. J'ai failli perdre une semelle à essayer de te rejoindre. Désolé. J'ai cru que j'allais devoir gratter tes tripes sur le trottoir et tu me dis que t'es désolé ? Lawan, j'arrive pas à y croire. Tu te fais vraiment du souci. Terre. Je viens de te le dire. Tu m'en dois une. J'ai niqué mes godasses. Je sens carrément les cailloux sous mes pieds. Il m'en faut une nouvelle paire. Ils vont pas faire une quête de paire de chaussures quand même. Elles ont l'air très bien ? Ouais. Elles m'ont pas l'air si mal, en tout cas. T'as pas des trucs plus importants à faire? Si c'était juste la couleur qui m'allait pas, je les aurais balancées il y a des années. J'ai cavalé et pris des putains de risques pour sauver ton petit cul. Mais le vent m'a poussé dans une banderole pourrie. Ces putains de clous étaient plus aiguisés que je le pensais. C'était ma dernière paire correcte, Aiden. Mes putains de badass cape pour cette sale histoire de vengeance. Sans elle, je ne suis plus rien. Alors, en route. Tu veux aller trouver des nouvelles baskets, maintenant. C'est quoi, c'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de faire des blagues? Lawan, qu'est-ce que... Merde. Quoi? Oh mon dieu, une cinématique où on suit le personnage. Oh, un volant amoureux. C'est pas un signe de faiblesse. Tu peux au moins me dire où tu vas? J'imagine qu'il n'y a pas des masses de magasins de chaussures dans le coin. Je connais un endroit. Il y reste encore peut-être quelques-unes de mes affaires. Je croyais que tu gardais tout au fisheye. Mais c'est pas là qu'on va, hein. S'il te plaît, ferme-la et suis-moi. Bon, on la suit. Ok, ouais. Elle est revenue, hein. Ouais, j'ai vu. Quoi? Hop, elle est repartie. Hop, elle repart. Oh, t'as vu le truc high-tech? Ouais. Attends. Attends. Il y a des trucs achetés là, je pense. Hein. Ça, je vais jeter. Abandon. Allez, ça dégage. J'ai trouvé un arc dans tout le jeu, il est niveau 2. C'est catastrophique. Voilà, au cas où, à l'avenir, il y a de futurs stuff. Et là, il n'y a rien à fouiller? Bah, si, regarde, bichette. Du miel et des abeilles. Et ben, c'est bon, on va pas la suivre. Elle va nous attendre en l'air. C'est comme ça. on fera ça au prochain épisode, évidemment. Tu viens en dehors deux fois? Vas-y, en dehors deux fois. Comme ça, ça save et on est tranquille. Les amis, on vous souhaite une agréable nuit. Une bonne nuit. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit. On vous souhaite une bonne vidéo. J'espère qu'on espère que vous avez passé une bonne vidéo. Oui. Hop, on recouche. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Il faut faire un petit mot de la fin ou pas. Si tu dois te confier et tout, qu'est-ce que tu dirais là, maintenant? Prenez soin de vous et prenez soin des autres. C'est très important, c'est vrai. Bisous tout le monde, ciao. Bye.